Oh là, il y a une sacrée file d'attente, comme vous avez vu, pour voir la Nintendo DS, la petite portable de Nintendo. Et il y a un autre petit gars de Micromania qui est là, qui fait la queue. Jean-François, bonjour, tu fais la queue pour revoir la DS? Ouais, salut Marcus. Bah, comme tu peux le voir, tu vois, il y a une heure de queue, mais j'ai déjà vu la DS et puis j'y retourne là. Donc voilà, comme c'est mon coup de cœur de l'année, j'ai envie d'y retourner une dernière fois avant de rentrer. Qu'est-ce qui t'a impressionné dans cette console? Ah, le principe des deux écrans avec le petit stylet, je trouve qu'il y a plein de choses à faire sur les jeux et c'est vraiment prometteur. C'est, à mon avis, il y a de grandes choses à faire. Bon, bah, on va faire la queue d'abord. Bon courage. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça marche, merci Marcus, à tout à l'heure. Vraie nouveauté de ce salon, la DS a dévoilé enfin le bout de sa frimousse qui se rapproche de la première GBA en plus carré. Outre les deux écrans, dont un tactile, la DS offrira la possibilité à 16 joueurs de s'affronter en LAN party, le tout sans fil. Et oui, c'est la grande tendance, le Wi-Fi se généralise et la DS sera même compatible Bluetooth. Côté autonomie, on nous promet 10 heures de jeu, mais ce n'est pas tout. La DS sera rétro-compatible avec la Game Boy Advance, une excellente nouvelle pour les millions de possesseurs de cette console. Là, on est sur le stand de Nintendo et regardez ce que je peux toucher avec mes petits doigts boudinés. Ce beau rectangle argenté, c'est la Nintendo DS avec ses deux écrans. C'est tout ce qu'on savait d'elle jusqu'à présent, c'est qu'il y avait deux écrans. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'un des deux écrans est tactile. Regardez, avec ce stylet ou avec mes doigts, je peux déplacer le regard du personnage. Je peux tirer dans tous les coins, je peux appuyer sur un des éléments du menu, par exemple, pour me transformer en boule. Vraiment, ça va pouvoir donner des jeux très, très impressionnants, très spectaculaires. Et surtout, bourré de bonnes idées, reste à les trouver, les bonnes idées, comment faire fonctionner deux écrans et un petit stylet. Et bien pour ça, on peut faire confiance à Nintendo. Les bonnes idées, ils en ont déjà plein, regardez. Et c'est vrai que pour le lancement de la console, les sorties vont se bousculer. C'est ainsi que Metroid Prime Hunter s'est prévu, dans lequel, comme vous l'a précisé Marcus, on peut diriger la vue et interagir avec le petit stylet fourni avec la DS. Le mélange entre cette option et les commandes classiques reste encore un peu flou. Au programme également un mode multijoueur. D'un abord plus que sympathique, il faudra néanmoins attendre patiemment pour se faire une idée plus précise. Mario Kart, le grand classique, sera bien sûr de la partie, avec une réalisation proche de la version N64. Nouveauté apparente, la carte affichée sur le second écran qui indique le classement. Et bien sûr, les tournois entre copains via le Wi-Fi promettant beaucoup. Avec New Super Mario Bros, les fans du plombier moustachu vont être aux anges. Ce nouvel épisode marie une vue de côté à l'ancienne et des personnages en 3D. Un mix réussi. On ne change pas une recette qui marche. Pour la sortie de WarioWare sur DS, Nintendo a bien sûr adapté le principe des mini-jeux à l'écran tactile, ce qui promet pas mal de nouveautés côté gameplay. Rappelons que WarioWare est une succession de petites épreuves souvent débiles et qui font appel aux réflexes du joueur, du fun à l'état pur. Enfin, toujours chez Nintendo, l'univers d'Animal Crossing envahira également la DS, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. Ce qui est impressionnant avec cette petite console, c'est qu'elle peut être reliée avec d'autres consoles sans fil pour pouvoir jouer ensemble, mais aussi pour pouvoir s'envoyer des messages. Et le petit stylet, évidemment, il sert à écrire. Regardez, je peux écrire, par exemple, Micromania. Et ensuite l'envoyer à l'autre bout, à mon pote qui pourra le lire. On peut faire évidemment des petits dessins. Et puis évidemment, il y a un petit clavier pour pouvoir écrire tout simplement. Ça permet de s'envoyer des textos pendant les cours, les gars, ça. Et allez, hop, encore une bonne idée. Je vais pouvoir chatouiller la tête de Mario ou de Wario avec le stylet. On va pouvoir lui agrandir le nez, voilà, lui secouer, lui tirer un peu les oreilles ou les moustaches. Ça fait des foules et c'est rigolo. Alors là, c'est très spectaculaire, je suis en train de jouer carrément à Mario en 3D. Ça ressemble beaucoup à la version Nintendo 64 pour vous donner une idée des graphismes. C'est très très spectaculaire. Là, c'est une petite démo technique. Il y a une étoile qui apparaît sur la carte, il faut aller chercher l'étoile. Le plan apparaît en bas sur la carte, comme ça, ça permet de se repérer. Et il faut que je sois le premier à attraper l'étoile. Le premier parce que je suis en train de jouer en réseau avec 4 autres personnes, sans fil comme ça, grâce au système Wi-Fi. Ça permet de jouer avec 4 potes ou 4 copines. La classe. Un défi. Kick them and steal the stars from them.
Autre démonstration de l'écran tactile et du stylet, c'est un truc tout bête. Il faut simplement que je trace le chemin pour le petit Luigi qui est en train de tomber avec son ballon et que j'encercle les adversaires, voilà, dans des petites bulles, histoire de le protéger, comme une espèce de jeu de labyrinthe. Alors ça pourra être une partie d'un jeu de plateforme un peu plus tard. Et encore une riche idée. Ils sont bourrés d'idées chez Nintendo. Un autre super exemple d'utilisation du petit stylet, je vais par exemple essayer de manger ces deux fantômes en dessinant un Pac-Man, voilà, qui va se mettre à leur courir après, et ensuite j'ai plus qu'à mettre des murs pour empêcher le Pac-Man de sortir de l'écran et qu'il aille grignoter les fantômes. Hop, et voilà le travail. Évidemment, on n'imagine pas une console portable chez Nintendo sans les Pokémon, regardez bien qui est là, l'ami Pikachu. Avec mes petits doigts, je peux lui tirer les oreilles, enfin, j'ai pu lui tirer la papatte, il a l'air de bien apprécier en plus. Je peux le gratouiller, le chatouiller, on peut faire des petits jeux avec lui, lui jouer de la musique, il a l'air content comme tout. C'est un vrai petit Tamagotchi dans une console portable. Dernier détail, le prix. Comment s'en douter, Nintendo est resté discret sur ce sujet. En concurrence directe avec la PSP, la DS ne devrait pas dépasser les 200€. Quant au jeu, le mystère reste entier. Sortie prévue de tout ce beau monde début 2005, et histoire de patienter, profitez de ces quelques images.